Bonjour, je m'appelle Franco Masdea, je suis médecin psychiatre spécialisé en psychogériatrie. Bonjour, je suis Bertrand Delavaine, je suis consultant dans l'industrie pharmaceutique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de patients hospitalisés en urgence ou non, qui se retrouvent totalement démunis une fois qu'ils sont à l'hôpital. Notamment dans les premiers jours, sont confrontés à des inquiétudes liées à l'abandon de leur habitat. L'objectif, c'est de s'assurer dès les premières heures de l'hospitalisation que le patient n'a pas à s'inquiéter de ce qui s'y passe dans son habitat, dans son environnement personnel. Et notre solution, c'est vraiment d'essayer de trouver un ensemble de prestations qui pourraient pallier à ces difficultés qu'observe le patient quand il est hospitalisé. C'est d'apporter, au travers de différentes sociétés externes, des solutions pour gérer les soucis du patient. Chercher le courrier, s'occuper des chats, s'occuper du jardin, de façon à ce que, quand il revient à la maison, son habitat est exactement comme il était lorsqu'il l'a quitté. C'est important parce que je pense que vous comme moi avez été une fois hospitalisé, vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué, une fois qu'on est dans un lit d'hôpital, de pouvoir gérer son quotidien à la maison. C'est important parce que le personnel hospitalier a beaucoup de tâches sur l'aspect clinique, sur la gestion du patient, et que malheureusement, il n'a pas le temps ni les moyens de s'occuper de ces aspects-là. Et ça permet donc au patient, lui aussi, de se focaliser sur son traitement, sur son opération, sur son séjour à l'hôpital.